Attention, la grand-mère n'est plus malade. Non, je suis plus malade. T'étais trop longtemps avec Tati, hein? Oui, c'est à cause de l'anniversaire de Tati qui a duré jusqu'au petit matin, mais sinon, à part ça, je vais bien. C'était quoi ta première impression quand t'as vu le texte, quand t'as vu la première fois qu'on a vu Quand j'ai vu le texte, la première fois, j'étais pas très surpris parce que le chasseur n'avait pas vraiment beaucoup à dire. Et moi au début du test, par contre, quand j'ai vu le texte et qu'on m'a dit de l'apprendre par cœur, j'ai fait... Mais regarde les jolies fleurs qui poussent partout entre les arbres. Tu ne peux pas accueillir un bouquet pour ta mamie? Mon papa m'a défendu de quitter le chemin ou de m'accarder, monsieur. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient particulièrement dures à faire pour le rôle de la grand-mère dans les préparations? La voix? Ouais, la voix. Je pensais que ça allait être le maquillage, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça. Au début, je devais me pincer le nez et puis chanter comme ça. Mais c'était pas très... Ça faisait pas très grand-mère. Oh, je m'en rappelle. Écoute, à ma porte, les chansons du vent. Appelle le souvenir de toi. Je l'entends aussi, la voix. Non, c'est le chantier. Ah oui. Quel rôle tu joues dans Le Chaperon Rouge? Ah, je joue Le Chaperon Rouge. Son caractère, il est un peu spécial. Ah, c'est-à-dire, comment est-ce que le Chaperon Rouge? Elle est gentille, mais elle est bête un tout petit peu. Mon papa ne veut pas que je danse, que... On avait déjà fait ce spectacle avec aussi la même actrice que le Chaperon Rouge et la grand-mère, sauf que moi j'étais loup. Peut-être quand on était petit, mais du coup moi je m'en rappelais un peu du texte, du coup c'est beaucoup plus facile à apprendre le texte. Je sais pas si c'est pour toi comme ça. Et que j'adore le loup parce que c'est plutôt un peu le méchant garçon, mais à la fois un petit chien. Et du coup, c'est marrant. Parce qu'au début, parfois on croit qu'il est méchant, parfois on croit qu'il est tout gentil. Thank you.
cette véridique effrayante mais hilarante histoire du petit chaperon rouge. Vous pourrez tour à tour frémir en observant le grand et méchant loup en liberté. Un conseil pour lui dire aux enfants. Frémir en observant le grand et méchant loup en liberté. Un conseil, tenez bien vos enfants. Oui, oui, je sais. Ou bien trembler pour la vie de la charmante et séduisante chaperon rouge et de sa vieille mais robuste mamiche croûte. Puis, être réconforté par un homme courageux, un homme sans égal, le chasseur. Joué par un acteur vraiment extraordinaire et incomparable, si je puis me permettre. Mais je n'en dis pas plus, que le spectacle commence. Wouhou! Dormi? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que je me suis réveillée plein de fois parce que j'ai cru que demain ce serait la rentrée et que je vais faire mes devoirs. Ah. Et là, on y va? J'ai faim, j'ai même l'impression que ça sent ici. Une petite fille, une gentille petite fille, blonde est passée par ici. Avec un gâteau au chocolat, des amandes et du sucre glace. Oh, une bouteille de vin.
vin rouge. Du château, Smissot Lafitte, millésime 2010. Je pourrais les retrouver les yeux fermés. Des fois, moi, je fais une blague. Il y a tout le monde qui rigole. Et je sais pas en fait s'ils rient à ma blague ou à mon apparence en fait. Il y a des gens qui se sont retournés et qui ont souri. Ils ont dit « Ah, le petit chapeau rouge !» Et il y en a des qui nous ont ignoré ça. Une fois, j'ai dit « Venez au spectacle du petit chapeau rouge. » Il y en a un qui a fait « Oui, t'es tout, on viendra après. » J'ai pas du tout aimé. Alors, mamie choucroute, c'est comment Montignac ? Pète la forme ! Oh, je pète la forme ! Génial ! Ah, mamie, t'es bien ? Oui ! Mais sinon, ça commence quand le spectacle ? 10 minutes ! Oh ! Un loup ! Bonjour, jeune fille. Que faites-vous dans cette forêt où il n'y a ni une habitation aux alentours ? C'est même pas vrai ! Il y a plein de monde ici ! C'est pour ça que je ne peux pas me régaler ici tout de suite et sur place ! Bonjour monsieur ! Je suis ma grand-mère qui est malade et qui habite de l'autre côté de la forêt. Mais mon papa m'a interdit de parler aux étrangers ! Oui, oui, je vois. Il faut que j'arrive à voir chez la grand-mère pour la neutraliser. Après, j'aurai le jeu facile. Et regarde où toutes les fleurs qui poussent près des arbres. Tu ne voudrais pas en tirer un joli bouquet pour ta mamie ? Mon papa m'a défendu de quitter le chemin ou de m'attarder, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une tête de mule. Voyons, voyons, on ne peut pas s'attarder. Mais quitter le chemin, elle pousse juste là, à côté de la joue. Ça fait petite. Oui, un bouquet pour mamie, pourquoi pas ? Oui, je vais quitter très rapidement et pas m'attarder, monsieur. Au revoir. C'est du travail ? Eh ben moi aussi j'ai du travail. T'es bien réveillé, Andrea ? Ouais. On va où là ? Alors là, c'est où là ? Au Bug, oui. Bah, ça, non, c'est bien. Attends, stop. Tu sais par où tu veux passer là ? Ouais, moi je sais. Allez. Vite. Il y avait le plus d'accessoires. Ouais. Ouais, tu marches pas comme ça. Allez, go ! J'attaque.
mamie choucroute va être drôlement contente. Un gâteau au chocolat, une bouteille de vin et un magnifique bouquet de fleurs. Je suis sûre qu'elle va guérir sur le coup. Oh, il est déjà presque midi. J'ai peut-être un peu traîné quand même. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ma mamie? Mais non, c'est mon chien de garde! Je vais le tuer avant qu'il ne vous mange! Oh! Ne pointez pas ça sur moi! Sans égal. Traha. C'est pour ça, parce qu'à un moment, pendant la tournée, vous avez changé vos personnages. Oui. Tous entre vous. Mm-mm. Et donc toi, c'est pour ça que tu as choisi Chaperon Rouge. Donc, oui, je voulais absolument jouer Chaperon Rouge parce que c'était ma chance, quoi. Ouais. Et le Chaperon Rouge, ça a changé? Oui, je suis Chaperon Rouge, et Topela. Mais maintenant, c'est moi le chasseur. C'est vrai? Ouais. Et voilà le loup. Oh, le petit loup. Oh, le chasseur va sur la tête. Oh, il est tout mignon. Oh, il est adorable. Il est tout mignon. Je vais te faire peur. Est-ce que je pourrais prendre ça pour faire le chasseur ou pas? Oui, pourquoi pas. Andrea a dit que ça irait bien. Oui. Oh, le chasseur. Oui. C'est bon, je peux? Oui, ouais, ouais. D'accord. Okay. Je pourrais l'attraper les yeux fermés. Traha. Ah, enfin, je le coince. Le loup en pleine action de meurtre. Il a déjà bouffé la grand-mère, mis sa robe de chambre, et maintenant il veut se virer à la petite fille. Je cherche pas.
Où est donc passé ce chien? Et là, le petit chaperon rouge, revu et corrigé, j'ai trouvé ça génial. 25, 70, 25, 80, 25, 85, non, 90. Il y en a en noir et blanc des tongs aussi. Où ça? Où est-ce là? Là, je les ai trouvés. Oh, elles sont trop belles. Oh, elles sont juste magnifiques. Des tailles, hein. Peut-être de la pâte finie. Ah oui, je fais tout, hein. Je fais les yeux, tout. Il y a les dés aussi. On va faire... Il y a ça, oh, et il y a ça aussi. Et il y a ça toute la journée parce qu'on a plus beaucoup de temps. On a eu 20 euros. Ah ouais? C'est énorme. Ouais. Quand même. Ah ouais, ouais. Il y en a donc... dès qu'ils ont donné des billets de 5, des billets de 10. C'est vraiment énorme. Ouais. Enfin, là j'aurais presque redonné le billet. Mais comme...